Madame Wahiba Behloul, bonjour. Bonjour. Alors, dans le contexte actuel difficile que traverse le pays avec la baisse drastique de nos revenus, la Chambre de commerce a un rôle déterminant pour booster la production hors hydrocarbures. Madame Behloul. Bonjour, Madame Souhila Lachmi. D'abord, merci pour cette invitation. Effectivement, comme vous venez de le signaler, et nous vivons quand même un contexte économique national et international assez, je dirais, un peu compliqué. Et nous avons donc cette obligation d'aller vers la diversification économique, la diversification des partenaires. Et il se trouve que les chambres de commerce et d'industrie sont là comme étant donc un instrument ou un organe qui pourrait justement, qui est en train d'essayer de jouer ce rôle. Les chambres de commerce, comme vous le savez, donc sont des institutions de droit public. Et juste pour rappel, il faut préciser peut-être qu'il existe deux types de chambres de commerce dans le monde, enfin chambres de commerce d'industrie dans le monde. Il y a le type donc de chambres de commerce de droit privé, c'est un peu le modèle anglo-saxon, et les chambres de commerce de droit public, ce qui est le cas justement de l'Algérie. Qui, quand même, les chambres de commerce sont des institutions de droit public et qui représentent un peu le cadre de concertation et de dialogue et une sorte de courroie de transmission et caisse de résonance entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics. Mais, Madame Behloul, quand on parle de diversification de l'économie par rapport au contexte actuel, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Puisque certains et beaucoup considèrent que vous avez des représentations à travers les 48 wilayas du pays, mais les chambres ne sont pas suffisamment dynamiques. Ben écoutez, effectivement, nous avons quand même un réseau de 48 chambres de commerce à travers tout le territoire. C'est-à-dire que nous avons une chambre de commerce par wilaya. Cette disposition, justement, est prise par rapport, donc, par les, j'allais dire, les, comment on dit les statuts de 96, c'est-à-dire qui ont institué justement ces chambres de commerce, la loi donc enfin le texte donc 96-03 et 96-04 instituant les chambres de commerce de wilaya et les chambres et la chambre algérienne de commerce et d'industrie. Donc, ce sont des espaces où dédiés un peu aux opérateurs économiques. Pour essayer, bien sûr, de rassembler ces opérateurs à travers donc toutes les wilayas et essayer de voir d'examiner un peu le potentiel de chaque wilaya, porter donc les préoccupations des opérateurs économiques des wilayas. Pour essayer justement de donner cette dynamique aux activités économiques de la wilaya. Mais justement, par rapport à cette question d'activité de wilaya, vous êtes un cadre de concertation, mais est-ce que vous êtes à la fois une force de proposition et d'intermédiaire entre les opérateurs et les pouvoirs publics? Nous sommes justement cette courroie de transmission, cette force de proposition, et nous essayons de jouer pleinement ce rôle à travers des actions de sensibilisation des opérateurs économiques pour qu'ils puissent justement faire leurs propositions. Vous savez que il est clair que ces derniers temps, justement, on essaie un peu de renforcer ce rôle à travers des activités que nous avons mis en place pour essayer d'être en quelque sorte le porte-parole des opérateurs économiques au niveau c'est-à-dire et porter leurs préoccupations au niveau des pouvoirs publics. Vous savez que les chambres de commerce à travers le territoire national ont des activités très très denses, enfin pour certaines et selon les spécificités de chaque région. Et il y a eu des propositions qui ont été faites. Par exemple, beaucoup de propositions ont été faites pour que le climat des affaires
en Algérie soit un peu améliorée. Et il y a des propositions qui ont émané justement de ces chambres de commerce. Mais justement, quand vous dites que nous sommes une force de proposition, est-ce qu'il y a eu des rapports qui ont été élaborés, transmis au pouvoir public pour prendre en charge les préoccupations soulevées par les opérateurs, d'autant que vous êtes représenté au niveau des 48 wilayas, donc vous avez une visibilité sur tous les problèmes que rencontrent les opérateurs? Des rapports élaborés, Madame Ohiba? Il y a eu des rapports, il y a eu des propositions qui ont été faites, juste à titre de rappel, je vous dis, par le passé également, des propositions qui ont été faites pour l'élaboration des lois de finances qui ont été établies, ont émané justement, sont passées par la Chambre de commerce, notamment par la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Il y a eu beaucoup de propositions. Il se trouve que ces derniers temps, pour diverses raisons, effectivement, il y a eu quand même, on s'est retrouvé un peu fragilisé par un peu certaines dispositions, et notamment il faut le reconnaître qu'il y a eu quand même une sorte de, j'allais dire, les chambres de commerce ont été pratiquement un peu vidées de la substance en matière de propositions, et ça, c'est dû à plusieurs raisons, un peu, je dirais, le pas la structure, mais les statuts, c'est-à-dire les pouvoirs conférés à ces chambres de commerce ne reflètent pas exactement le potentiel. Est-ce qu'il faut réviser cet aspect-là impérativement? Dans le contexte actuel, il faut les rendre plus dynamiques. Impérativement. Puisque vous parlez de statuts. Impérativement, parce qu'il faut dire aussi que les statuts, les chambres de commerce en Algérie, c'est-à-dire pour parler un peu des particularités, elles ne sont pas fixées par une loi. C'est-à-dire les statuts, c'est-à-dire relèvent un peu du domaine réglementaire. Et ça, c'est quand même, je dirais, un peu dépassé, parce que actuellement, les chambres de commerce, c'est-à-dire les statuts datent de 96. C'est vrai ces statuts ont été élaborés suite à une large concertation entre les pouvoirs publics, l'ensemble des associations patronales, le secteur privé. Donc tout le monde avait contribué à produire, si vous voulez, ces statuts, mais 96, Madame Souhila El-Hachmi, nous sommes en 2017. Il y a eu un temps quand même, et c'est là où il y a réellement nécessité de revoir justement le statut de ces chambres de commerce, leur donner plus de pouvoir et leur donner quand même, c'est-à-dire, il faut leur donner une implication justement dans les différents organes au niveau local. Donc c'est pour cela, et de cette manière-là, nous allons pouvoir renforcer leur capacité au niveau local. Parce que, qu'on le veuille ou non, le développement économique doit passer impérativement par le développement local. Donc c'est l'approche territoriale qui est mise en avant actuellement et qui devrait l'être davantage dans la nouvelle vision justement de ces chambres de commerce. Mais justement, les statuts datent de 1996, cela fait pratiquement 21 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait aller vers une décentralisation au niveau local pour que ces chambres soient un peu plus dynamiques, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quasiment au niveau de certaines localités, c'est le statu quo. Certains sont très peu dynamiques parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'adhérents, il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de propositions. Est-ce qu'il faudrait revoir cela de la sorte de la décentralisation de la décision, puisque la richesse, tout le monde est d'accord sur cet aspect-là, est au niveau local. Tout à fait. Ben écoutez, j'ai dit que la non-implication des chambres de commerce dans les différents organes justement de conciliation et de concertation au niveau local a été prouvée. C'est-à-dire que donc il faut renforcer les pouvoirs ou les prérogatives de ces chambres de commerce au niveau local. Il faut mentionner les pouvoirs publics sont réceptifs sur cet aspect. Très réceptif. La révision des statuts. Oui, très réceptif. Je vous ai dit. Vous avez formulé des propositions. Ben écoutez, pour le moment, il y a eu une proposition qui a été faite, et peut-être que ça demande encore plus de concertation, plus de dialogue. Et nous avons senti qu'il y a quand même une réelle volonté des pouvoirs publics, et parallèlement, il y a quand même une compréhension et même une adhésion donc des opérateurs économiques pour qu'il y ait plus de concertation, pour qu'on ait des statuts qui, je dirais, entre guillemets, qui arrangerait tout le monde, mais surtout... Qui s'adapte au contexte aussi. Qui s'adapte au contexte, mais surtout aller ensemble vers un seul objectif. Et ça, de par ma petite expérience, je peux dire qu'il y a quand même un consensus là-dessus, et que réellement, il y a une volonté, d'une part, des opérateurs économiques qui constituent juste ces chambres de commerce, et des pouvoirs publics
pour aller de l'avant vers un seul objectif qui est le développement économique. Encore une fois, moi je souhaiterais, c'est-à-dire nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire, les chambres de commerce en Algérie sont des chambres de commerce de droit public. Et c'est fondamental et impératif. Alors, allez ensemble vers un seul objectif, vers le développement économique. Le développement économique est au niveau local. Vous avez élaboré une cartographie pour identifier les besoins au niveau local. C'est important d'avoir cette vision locale et décentralisée. Très, très important. Très, très important. Effectivement, vous avez cité donc, la cartographie. La cartographie économique est quand même est une opération qui a été initiée quelque temps par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Pourquoi nous l'avons fait ? Parce que nous avons, dans le cadre du programme d'action que nous avons initié, nous nous sommes mis un peu à sillonner un peu le territoire. Vous étiez hier à Ouargla. Oui, hier. Je reviendrai, si vous permettez, tout à l'heure sur la rencontre de Ouargla hier. Mais c'est pour vous dire que nous avons un peu sillonné, nous avons été un peu partout et on s'est rendu compte quand même qu'il y a un potentiel qui existe. Enfin, on ne s'est pas rendu compte, on le sait. Mais quand vous êtes sur place, vous arrivez à mieux percevoir. Donc, c'est pour ça. Mais des informations qui existent, mais qui ne sont pas connues de tous. C'est pour la raison, enfin c'est la raison pour laquelle nous avons dit il est impératif d'avoir cette cartographie, c'est-à-dire ce sont des données économiques. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que il y a d'autres institutions qui sont rentrées en lice pour l'organisation, enfin pour la réalisation de cette cartographie. Et c'est une excellente chose. Pourquoi ? Parce que je dirais d'abord l'adage qui dit l'union fait la force, de un, mais de deux, avoir plus d'informations, un portail élargi. Moi, j'étais en discussion avec nos amis de lundi et j'ai vu qu'ils avaient quand même réalisé un travail très intéressant. Un travail très intéressant. Algex est en train de faire un travail aussi très intéressant. Et nous, en tant que Chambre algérienne de commerce et d'industrie, nous avons lancé ce projet. Et nous continuons à travailler pour avoir donc de l'information économique et cette information pourra donner plus de visibilité aux opérateurs économiques, aux décideurs et à l'ensemble, j'allais dire, des intervenants dans le domaine économique. Les investisseurs étrangers également peuvent être orientés parce que dans d'autres pays du monde, c'est la Chambre de commerce qui oriente et qui propose bien sûr des potentialités d'investissement dans un pays. Vous savez, j'allais dire, dans les pays à économie de marché, les chambres de commerce sont la vitrine du commerce extérieur. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, mais nous sommes en train de travailler et modestement, il y a quand même des actions qui sont en train d'être réalisées au niveau national et même avec des actions à l'international que nous essayons de mener pour que d'abord... pour donner de la confiance à nos opérateurs économiques. Nous avons organisé, je rebondis un peu, nous avons organisé quelques déplacements à l'étranger, dans le cadre de missions que nous avons organisées. Certaines voix se sont élevées pour dire oui, c'est-à-dire que vous faites des voyages. Et nous ne sommes pas une agence de voyage, mais nous avons jugé utile d'organiser ces missions, d'abord pour donner de la confiance aux opérateurs à travers des benchmarks, et pour que l'opérateur économique puisse d'abord se frotter à l'international, apprendre à l'international. Alors, Madame Wahiba Behloul, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé dans la dernière partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, nous ne sommes pas une agence de voyage, mais est-ce qu'on peut considérer que vos déplacements à l'étranger ont apporté leurs fruits ? Dans un sens quand même, dans un autre. Drainer des investisseurs étrangers et à la fois permettre à nos investisseurs de se frotter à l'international. Effectivement, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que nous avons essayé ou nous essayons quand même de nous déployer à l'international, donc à travers des actions que nous organisons, notamment soit c'est-à-dire au déplacement des délégations algériennes à l'étranger, et nous avons quand même réalisé ces derniers temps pas mal d'activités dans ce sens. Et l'objectif, en fait, l'objectif réel d'abord, c'est d'essayer donc d'offrir à nos opérateurs économiques cette possibilité de se frotter à l'international, de voir ce qui se passe réellement. Juste à titre d'exemple, moi j'ai vu des opérateurs économiques ici qui voulaient vraiment, qui avaient cette volonté d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais qui ne savaient pas par où commencer. Maintenant, ils sont un peu frottés. Ils vous parlent de déplacements, c'est-à-dire qu'ils ont des agendas,
qu'ils ont même appris, de se préparer pour participer à des foires à l'étranger, à des missions, en adaptant leur démarche à ce qui se fait réellement à l'international. Ça, d'une part. D'autre part, nous essayons de rencontrer donc des opérateurs économiques pour essayer de drainer des investisseurs. Il y en a eu quelques-uns, c'est-à-dire plusieurs opérations de partenariat qui ont été réalisées grâce à ces déplacements que nous avons organisés. Des exemples. Je peux vous parler un peu des Turcs que nous avons rencontrés, que nous avons quand même convaincus de venir. Je peux vous parler des Saoudiens. Nous avons également des projets qui ont été montés avec des Italiens, ici en Algérie. Des exemples, il y en a. C'est vrai que peut-être il y a pas vraiment beaucoup de communication, mais des actions comme ça, il y en a, Madame Souyane. La création de conseils d'affaires facilite aussi ces tâches. C'est l'une des missions justement qui est quand même très importante, la mise en place des conseils d'affaires. Il faut dire quand même qu'à ce jour, nous avons plus d'une trentaine de conseils d'affaires que nous avons créés avec des partenaires à travers le monde. Certains ont très bien réussi, d'autres un peu moins, mais ça permet toujours aux opérateurs économiques, puisqu'en fait, des conseils d'affaires, c'est quand même un espace d'échange entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues étrangers, et ça permet également de porter les contraintes qui peuvent entraver un peu le développement et les porter au pouvoir public. Nous en avons réglé pas mal de questions qui ont été soulevées à la de ces conseils d'affaires. Mais justement, pour se frotter à l'international, il faut aussi connaître les normes à l'international. Beaucoup considèrent que les Algériens négocient très mal leurs contrats à l'international par rapport à cette question d'arbitrage international. Est-ce que vous êtes en train de les sensibiliser en fur et à mesure? Parce qu'il faut aussi connaître la législation à l'international. Très bien. Vous me donnez l'occasion ici gratuitement et je vous en remercie de faire la promotion d'une action que nous allons organiser le 14 novembre. C'est une formation qui est destinée justement à former des arbitres sur l'arbitrage commercial international. Effectivement, on dit bien qu'un contrat bien négocié, c'est 50%, c'est-à-dire vous évitez de gains. Nous organisons donc le 14 et 15 novembre un séminaire au niveau de la Chambre mais intérieure. Mais on l'organisait régulièrement sur la question de l'arbitrage. Mais l'arbitrage... Mais est-ce que ça donne des résultats? Écoutez... Est-ce qu'on est au fait de ce qui se produit à l'étranger? Il faut à tout prix que les opérateurs économiques intègrent cette notion d'arbitrage l'élaboration de leur contrat. C'est une affaire de sensibilisation et de médiatisation. Et c'est ce à quoi nous attelons justement à faire. Et pour l'export, est-ce que vous sensibilisez aussi les opérateurs? Parce que là aussi, il y a des actions qui sont engagées. Tout à fait. Pour l'exportation également, vous savez que nous organisons un salon du 13 au 16 novembre. C'est le salon international sur le... Transport et logistique. Et c'est une activité justement qui est organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en partenariat bien sûr avec la SAFEX pour essayer justement de mettre sur la table un peu les contraintes rencontrées, mais également des propositions qu'offrent justement ces intervenants dans ce secteur. Mais justement, quand on parle de l'export, on parle du potentiel existant au niveau des chambres, on parle de la nécessité de décentraliser, d'aller vers les richesses locales, la cartographie qui est en train d'être élaborée. Vous avez organisé un séminaire au niveau de Ouargla hier. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de toucher toutes les localités pour valoriser leur potentiel? C'est ça l'objectif, en fait. Effectivement, c'est ça l'objectif. Vous avez cité Ouargla. Effectivement, nous revenons de Ouargla. Nous avons organisé un séminaire, très intéressant. Intéressant hier avec la Chambre de commerce et d'industrie de Ouargla sur les perspectives de développement économique dans le sud. Ouargla, mais également tout le sud. Et nous avons, le contenu de ce qui a été présenté hier était très intéressant. Ce n'était pas des présentations académiques, mais c'était des interventions sur l'opérationnel. On a eu quand même droit à des success stories, à des présentations d'entreprises privées, du secteur privé, qui travaillent justement au niveau de la région. C'est vrai que c'est une région, on dit que c'est une région, bien sûr, à vocation hydrocarbure, parce que Ouargla, vous avez le Hassi Messaoud, les champs pétroliers. Mais il se trouve que
au-delà de ces activités, il y a d'autres activités qui sont réellement très intéressantes, où il y a un potentiel réel. On ne connaît pas bien nos territoires. On ne les connaît pas, et c'est la raison pour laquelle nous essayons justement de travailler sur cet aspect-là pour essayer de mettre en avant, en exergue, le potentiel de chaque région. Hier, si vous permettez de parler juste de cartographie pour revenir, hier, nous avons eu droit à une présentation d'un travail, d'une cartographie qui a été élaborée pour la région de Ouergla. Et nous avons été agréablement surpris par cette étude qui a été commandée par le Wali de la région. C'est pour vous dire que même les Walis sont engagés dans la promotion et dans l'approche territoriale. Une étude très intéressante qui a été commandée par et réalisée par une personne, c'est un chercheur qui est, m'a-t-on dit, qui était un ancien membre donc, du CNES et qui a fait le travail, qui est consultant au niveau du CNEAP et qui a présenté une étude très intéressante de cartographie sur la région de Ouergla. Donc, vous avez un potentiel à Ouergla. Nous sommes en train de travailler avec le Salon de la Dette prochainement. Oui, en 30, justement. Là. Mais vous avez des chambres très dynamiques et d'autres pas du tout. Justement, nous essayons quand même de mettre en compétition ces chambres de commerce pour essayer de faire sortir le maximum de potentiel qu'elles ont au niveau de leur région. C'est une autre vision que vous voulez apporter et mettre en œuvre. Écoutez, nous avons quand même une ambition, c'est de repositionner la CACI, la Chambre AG1 de commerce et d'industrie, et les chambres de commerce d'une manière générale. Les repositionner conformément à nous avons un environnement économique, nous avons une équipe, une nouvelle génération de chefs d'entreprise, de managers, de réels managers, qui veulent quand même donner de leur temps, de leur argent, et pour le développement de l'économie nationale. Et c'est cette synergie que nous voulons justement qu'elle puisse émerger. Alors, des questions des auditeurs par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, par rapport à ce repositionnement. Si toutes les organisations patronales sont adhérentes à la CACI, pourquoi vous ne proposez pas de prendre en gérance les zones industrielles comme partout dans le monde? C'est vrai qu'elles sont gérées par les chambres de commerce, zones industrielles. C'est une proposition, j'allais dire. Dans la révision des statuts, c'est ce que... C'est une proposition qu'on prend en considération cette question. Mais c'est un point qui est déjà très bien pris en charge. Si vous prenez en considération le programme économique tracé par Monsieur le Premier ministre, d'ailleurs, il est clairement dit, justement, dans les textes, que ces zones industrielles sont quand même d'une importance capitale. Maintenant, soit gérée par les chambres de commerce ou par une autre institution, j'allais dire, là n'est pas vraiment le problème. On serait intéressé justement pour que les chambres de commerce puissent gérer. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est que nous puissions avoir des zones industrielles très performantes. Alors, par rapport à cette question également, par rapport à ce que nous avons abordé en termes d'exportation, vous avez cet auditeur qui vous dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer comme ça, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune représentation de la CACI en Afrique, puisque notre objectif premier, c'est d'exporter vers le continent, notre continent. Écoutez, représentation, effectivement, en parlant justement de développement à l'international, c'est-à-dire j'ai oublié de vous parler que nous avons justement une présence à l'international à travers la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France. Nous avons la CACI France que nous avons créée justement et qui est en train de faire un travail très intéressant parce que nous avons une diaspora qui est quand même importante qu'on voudrait, faire adhérer au développement économique national. Mais nous avons également le déploiement en Afrique. Maintenant, si on arrive à avoir ces représentations, nous avons commencé, vous avez des comptoirs commerciaux qui sont en train d'être mis en place. Nous avons un exemple très intéressant, celui de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça a été une initiative privée, mais qui est en train de faire un travail extraordinaire en Côte d'Ivoire pour essayer de renforcer notre présence sur le marché ivoirien particulièrement, mais surtout les marchés voisins. Et ça, ce sont des actions un peu partout. L'essentiel, c'est de pouvoir, coordonner toutes ces activités. Et ça nécessite quand même de la concertation et de la communication. Ça, c'est très, très important. Est-ce qu'on peut considérer que le climat des affaires en Algérie est
un des plus difficiles à travers le monde. C'est une autre question d'un auditeur. Il faut lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui la bureaucratie. Bah écoutez, le climat des affaires, c'est-à-dire sans faire dans la démagogie, et ce n'est pas mon fort, mais nous avons quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées, il faut le reconnaître. Maintenant, ce n'est pas, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. C'est aussi une vérité, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et les choses viennent graduellement. Nous avons des, j'allais dire, un dispositif qui est mis en place. Les choses viennent graduellement, mais le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, d'accord. Mais il ne faut pas nier quand même que nous avons fait de grands pas, c'est-à-dire, et en toute sincérité, il y a des choses qui se font. Nous avons quand même... Il faut donner de la confiance aux opérateurs. Et revenir à la notion du travail, Madame Souhil El-Hachmi. Le secret magique, c'est travailler encore et travailler davantage. C'est ça le plus important. Les problèmes, on est conscient, il y en a. Mais la concertation, la communication, le dialogue, ce sont ces choses-là qui font avancer les choses. Et nous, en tant que Chambre algérienne de commerce et d'industrie, c'est un de nos, j'allais dire, de nos chantiers. Nous voulons, je voulais juste dire aussi que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, nous ne sommes pas une organisation patronale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendication patronale. Nous sommes des chambres de commerce, un espace ouvert à l'ensemble des opérateurs économiques. Alors donner de la confiance, c'est important aujourd'hui, mais par rapport aux investisseurs étrangers, ils déplorent l'instabilité juridique en Algérie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Ben écoutez, il y a quelque temps, effectivement, on parlait d'instabilité juridique, mais depuis quand même 2 ans, nous connaissons quand même une stabilité en dehors de quelques petits changements, et c'est tout à fait normal, parce qu'il faut adapter la conjoncture économique actuelle à, j'allais dire, aux dysfonctionnements internationaux, aux bouleversements internationaux, mais depuis 2 ans quand même. Nous vivons une stabilité juridique à travers les lois qui ont été promulguées, notamment le nouveau code des investissements, la loi sur la PME, la loi sur la métrologie, donc tout c'est un arsenal qui est mis en place, ça demande quand même de temps, et surtout, j'allais dire encore une fois, de la communication et de la concertation. Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan de la fiscalité, l'Algérie est un pays attractif ? Rapidement. Mais écoutez, bien sûr, avec tous les avantages qui sont accordés, qui sont offerts, nous sommes quand même très, très intéressants, Madame Souhil El-Hachmi. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, pourquoi cette dualité entre les chambres de commerce et les autres institutions, comme lundi, alors pourquoi c'est pas la chambre de commerce qui devrait être un peu le vis-à-vis de tous les opérateurs ? Ben écoutez, j'ai dit alors, c'est-à-dire, il y a quand même c'est différent. Les chambres de commerce ont un rôle à jouer. C'est celui de rapidement, madame. Oui, c'est celui de fédérer justement le monde des opérateurs économiques. L'ANDI a des missions bien précises. C'est gérer un peu tous les avantages, le dispositif d'investissement. C'est-à-dire, nous sommes complémentaires et pas de dualité. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, Madame Behloul, ce que nous relevons aujourd'hui, c'est qu'il y a des chambres très dynamiques à travers le territoire national, comme celle de Biskra, où on connaît qu'il y a beaucoup d'activités qui sont réalisées. Il y a le salon de la date qui va se tenir, je crois, du 2 au 5 décembre prochain. D'autres ne le sont pas. Est-ce que c'est parce qu'elles sont vidées de toute leur substance? Il n'y a pas suffisamment de ressources présentes au niveau de ces chambres et très peu d'adhésion. Pourquoi ne pas impliquer également l'informel ? Ben écoutez, justement, c'est vrai qu'il y a des chambres... Dans les services, il y a beaucoup d'activités. Oui, il y a des chambres de commerce qui sont performantes, d'autres qui sont moins performantes, mais c'est vrai que pour plusieurs raisons, certains objectifs et d'autres subjectifs. Par exemple, effectivement, il y a le potentiel de la ressource humaine, mais également, j'allais dire, les moyens. Il y a certaines chambres qui, effectivement, n'ont pas suffisamment de moyens. Mais les moyens, on les cherche. Oui, justement, à travers... Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est en train pratiquement de mettre en compétition ces chambres de commerce, et si vous prenez sur ces 2 dernières années, il y a des activités, il y a eu une sorte de concurrence entre les chambres de commerce, pour, c'est-à-dire sur celles qui travaillent le mieux, celles qui font plus... Blida, Médéa, voilà, Biskra, vous avez, que je connais, Tlemcen... Nous avons quand même des chambres de commerce qui sont très performantes. Pour revenir à la chambre de commerce de Biskra, effectivement, il y a un salon international de la date, d'ailleurs, qui connaîtra l'inauguration de la première usine de transformation de date, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même donc, une transformation, production de sucre de date, et ça, c'est une opération très intéressante.
Il va y avoir également à l'occasion de ce salon l'inauguration de la première expédition de datte de Biskra à travers le fret. Et on va fabriquer du sucre à partir de la datte. Tout à fait, tout à fait. Une usine prochainement inaugurée. Inaugurée justement pour produire le sucre de datte, le miel de datte, la confiture de datte et plusieurs autres dérivés et qui j'espère donnera, j'allais dire, de l'appétit aux investisseurs de la région. Alors, autre question, à la dernière, est-ce que la Chambre devrait travailler pour fédérer toutes les régions à la fois ? C'est notre souhait. Nous sommes justement, en quelque sorte, la fédération de toutes les chambres de commerce et nous voulons justement jouer ce rôle fédérateur, Madame Souhila. Vous élaborez vos bilans annuellement ? Bien sûr, annuellement. Avec vos points forts, vos points faibles ? Surtout, on fait ressortir surtout nos points faibles. En toute transparence ? Toute transparence. On peut y accéder ? Avec grand plaisir, Madame Souhila Lachmi. Madame Wahiba Behloul, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance aussi pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. Merci beaucoup, merci.